Il y a quelques années, ils ont fait une dernière tentative. Klim leur a donné une bonne leçon. Ils ont tellement eu peur qu'ils n'ont même pas pris le temps de décrocher les cadavres de leurs copains pendus partout dans les ruines. Ils pouvaient plus nous attaquer et n'avaient nulle part où aller. Du coup, ils se sont tournés vers la chasse. Ils attrapent des mutants dans les ruines, ceux qui ressemblent à des humains. Ces saloperies ne sont pas très futées, mais elles ont de la force. L'idéal pour tirer des chariots ou des barques sur les rivières, ou encore faire tourner des roues. Ils mangent pas grand-chose non plus, ça fait de sacrées économies de carburant. Du coup, les bandits les attrapent, les dressent un peu, et ensuite ils les revendent à des marchands. Ils remontent du sud plusieurs fois par mois. Ils les paient en armes, en munitions, en paquets de riz. Tout ce qu'il faut pour vivre la belle vie au milieu de la nature. Ils passent aussi par notre campement pour nous racheter des générateurs, des moteurs et d'autres trucs qu'on a remis en état. Nos mécanos font de véritables merveilles, après tout. Oh, et du poisson séché aussi. Voilà en gros comment fonctionne l'économie de la région. Mais pourquoi ces chasseurs nous ont tiré dessus? Ils se sont répartis les différentes zones de la ville. Cette répartition est le résultat de nombreux affrontements. Ce n'est pas étonnant qu'ils tirent maintenant à vue sur toute personne qui n'a pas le bon insigne. Je vois la guerre des territoires version primitive. Ok, on est arrivé, ça. Exactement. Y'a plus qu'à amarrer ce truc et je vais te montrer ma base secondaire. Cool. Alors, c'est quoi l'offre de Tom dans les grandes lignes? C'est simple. Il propose de vous laisser le campement et tous ceux qui refuseront de le suivre. Sa générosité le perdra. Et il veut quoi en échange? Que vous lui fournissiez des barres de combustible pour le sous-marin. Ah, c'est pas vrai! Avant qu'on parte, il va falloir qu'on s'occupe de mon genou. Il enfle à vue d'œil. Pas de problème, Ed. Vous avez un truc contre la douleur? Normalement, je ne bois pas, mais j'ai une caisse de Molotov. Alcool artisanal et huile de poisson, ça fera l'affaire. Si au moins on avait un peu de nourriture pour faire passer le goût, mais bon. Tiens. Ouais, ça c'est une bonne surprise. Bon, j'ai plus d'excuses maintenant. Alors c'est parti. Santé. C'est pas si mal. On a bu quoi, putain? Tu n'es pas aveugle, tu as dormi la tête face au sol. Et arrête de crier! Oh, ma tête! Oh, mon crâne! C'est pour ça que je ne bois pas. Oh, c'est horrible. Mais je me sens un peu mieux maintenant. Tiens, finis ça! Ça devrait aider, un peu. Ok, si vous le dites. Ok, pendant que tu récupères, revenons un peu à notre conversation d'hier, tu veux bien? Je sais où se trouve ce combustible. Il n'est d'ailleurs pas très loin. Dans une base navale souterraine. Les tunnels d'accès sont à moitié inondés, mais praticables. L'entrée se trouve dans le bâtiment du QG maritime. Le taux de radiation là-bas est démentiel. Inutile d'essayer sans combinaison de protection. Avant, ce bâtiment était une caserne de pompiers. Je sais qu'ils disposaient de combinaisons en cas d'incident avec l'un des sous-marins. La caserne est désormais sous le contrôle de bandits. Y pénétrer ne va donc pas être une mince affaire. Tu pourrais t'en charger? Ouais. Ça doit faire du bien de prendre un peu l'air. Je vais récupérer ces combinaisons. Merci, Sam. Je me préparerai aussi en attendant. Descends par ces escaliers. Et passe par la porte.
Oh, j'allais presque oublier. Quand tu descendras, tu pourras en profiter pour réarmer les pièges. Les mutants ont la mauvaise habitude de s'incruster de temps en temps. Je vais essayer, Ed. J'ai pas la clé. Ed, c'est Sam. Et un piège de réarmé. Super. Encore quatre. Ça s'ouvrira pas. Sale bestiole! Tu parles d'une surprise. Midorna. Oh.
Doc. J'en ai réarmé un deuxième, plus que trois. Troisième piège réarmé, plus que deux. Скдыц. Il en reste plus qu'un maintenant.
Ed, c'est à nouveau Sam. Zagatovo, tous les pièges sont réarmés. Pas si bas, Sam. C'est un vrai fait. Jousta, Ed.